Ça te dit une virée ? On dit que la campagne est vraiment belle à cette période. En effet, je suis sûre que mes amis sont anxieux à l'idée de voir leur prix. Alors faut pas les décevoir. Et échapper à leur patrouille. Ça va pas être facile. T'inquiète. Je connais un raccourci pour quitter la ville. J'ai indiqué l'itinéraire sur ta carte. Alors, agent secret Skylar Sinclair, comment avez-vous plongé dans ce milieu ? Une fille a le droit d'avoir ses petits secrets. Je suppose que tu faisais déjà ce boulot lors de notre première nuit. On peut dire ça comme ça. Mais c'était pas encore officiel. Alors c'est quoi ? Tu mens pour vivre ? Un peu comme au lycée, je suppose. Qu'est-ce que tu vas faire après la guerre ? Faire ça pendant tout le reste de ta vie ? Ça dépend du vainqueur et du fait que je sois encore là pour en parler ou pas. Je préférerais ne pas en parler. Et nous y voilà, deux amoureux, deux tourtereaux en pique-nique à la campagne. Très romantique. Mais je doute que les Allemands gobent ça. Ah, ils goberont tout ce que je dis, chérie. Laisse-moi faire ce que je sais faire. L'église. On ira se garer à l'écart. Ah, rien de tel qu'une bonne virée à la campagne pour apaiser les souffrances d'un homme. Je pense bien à un autre remède, et je dirais que tu l'as plus que mérité cette fois. Ça m'intrigue. Plus tard. D'abord, on s'occupe de Bishop.
C'est authentique. Pas de doute possible. Ces fous l'ont vraiment trouvé. Merveilleux. Vous êtes un homme plein de ressources, Monsieur Devlin. Vous me seriez très utile. On avait un marché. J'ai trimballé votre caisse à travers la moitié de la France et j'ai dû tuer des gens pour ça. Je veux dire cœur. Et vous l'aurez. Je sais de source sûre que le colonel Dirker est à moins de 2 kilomètres d'ici en ce moment même. Dirker est ici ? Au Havre ? À la Citadelle. Il se prépare à regagner Berlin en zeppelin. Si vous partez maintenant, vous pourrez l'avoir avant qu'il décolle. Alors, j'y vais. Une dernière chose, Monsieur Devlin. Vous n'auriez pas, par hasard, jeté un œil à cette caisse ? Comme vous avez dit, ça me concerne pas. Ravi de vous l'entendre dire. Au revoir, Monsieur Devlin. Et bonne chasse. Psst. Je vends des armes. Sean, attends! Un agent nommé Pino a mis en sûreté au dock un camion de ravitaillement allemand. Utilise-le comme couverture, sinon tu passeras jamais la porte d'entrée. Depuis quand t'es dans mes pattes quand il s'agit de Dirker, toi? Je suis pas dans tes pattes. Cette histoire de vendetta est ridicule. Mais je commence à m'habituer à toi et je ne suis pas encore prête à te perdre. Oh, tu vas me faire pleurer. Ne sois pas si stupide. Je t'ai laissé un cadeau dans le camion. Je crois que t'apprécieras. Ils attendent le camion à la citadelle. Assure et ils te laisseront rentrer. Je pensais que tu aimerais peut-être changer de vêtements. Le style n'est pas terrible, certes, mais la mode n'a jamais été ton fort. Ciao, Skylar.
schreiben Sie mir Ihre Papiere. Sofort. Scheint alles in Ordnung zu sein. Eh bien, il est temps de... Charge bien placée et cette porte ressemblera à du petit bois. Je pensais que je me serais habitué à ça. Semblera une journée sans coup de feu. Thank you.
fils de pute! Sois loué. Les escaliers. Je sens un peu tout nu.
assez dupé, Devlin. Vous auriez dû mourir sous ma lame. Pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Je vous trouverai où que vous soyez. Du sang partout.
ferais bien d'aller en toucher deux mots à Skylar. C'est bien qu'on est obligé, mais c'est un sacrilège de se planquer ici. T'es vivant. T'es très observateur, toi. Où est Skylar? Je ne peux pas te le dire. Tu peux pas ou tu veux pas? Les allées et venues de Mademoiselle Sinclair sont confidentielles. Alors, t'as buté ce connard? Non. Pas encore. Il faut du cœur et une main ferme pour tuer un type comme Dirker. Ils auraient dû choisir un vrai soldat. C'est dommage que t'aies été trop occupé à glander dans l'église. Dis à Bishop que c'est pas fini. La semaine prochaine, Dirker bouffera les pissenlits par la racine. Je pense qu'il est temps de rentrer à Paris. Véronique doit se faire un sang d'encre pour moi. Dieu comprendra. Et si c'est pas le cas? Enfin, la résistance se revit. C'est bon pour la tête de travailler dur. Thank you.
la... Faut rester tranquille. Ces gars ont l'œil. Besoin d'une nouvelle bagnole ? On a plusieurs types de voitures. Jette un œil.
Je pense qu'il est temps de rentrer à Paris. Véronique doit se faire un sang d'encre pour moi. Un zeppelin a explosé. Et alors? Paris est toujours occupé, non? Quoi, marre de l'ancien modèle? De merde. Légère sous mes pieds, aussi
s'inquiéter. Sean ! Où étais-tu passé ? J'étais à la plage. C'est quoi sur ton cou ? Des algues marines ? J'ai eu le mal du pays. Je nageais vers l'Irlande quand je me suis souvenu que j'avais un truc à te dire. C'était quoi ? T'es une jeune fille effrontée, Véronique. Avec un sacré culot. Et t'as assez d'expérience pour savoir ce que tu veux. Je dirais pas autrement. Dois-je prendre ça pour des excuses ? Ça pourrait un rare moment de plaisir, mignonne. J'avais gardé cette bouteille pour une occasion. Sean, je savais pas que tu étais revenu. Ouais, juste à temps pour trinquer. À moins que t'aies pensé à un autre moment de plaisir. J'ai l'impression qu'on va manquer de verre. Je vais en chercher un.